suis Thierry Samitier, c'est le nom que m'ont donné mes parents en tout cas. Quels sont les trois mots qui te définissent le mieux ? Génial, incroyable, extraordinaire. Bah, faut pas se gêner, je veux dire, c'est des... Ouais. As-tu déjà eu des problèmes de voisinage ? Oui, en fait, j'avais laissé mon ordinateur allumé avec les haut-parleurs à fond. Il y a des espèces de publicités qui reviennent de façon synchronique. Et donc, je suis sorti en soirée. En rentrant de la soirée, je vois tout mon immeuble devant ma porte avec les flics. Et je me dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, pendant toute la nuit, jusqu'à 2h du mat, il y a des petites publicités qui tournent en boucle. Et les voisins sont devenus complètement dingues. Ils ont appelé les flics. Et les flics m'ont dit, bon, pour cette fois, ça va, mais faites gaffe. Raconte-nous ta plus grosse honte. D'avoir perdu mon froc à Fort Boyard. C'est la dernière, mais il y en a tellement, je veux dire, il y en a à peu près tous les 15 jours. Et quand il pète, il trouve son slipper. Fais-nous ta plus belle grimace. Quelle émission regardes-tu en cachette ? C'est mon choix. C'est pour cachette. C'est pour cachette. Quelle est ta chanson la plus honteuse ? Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire. Quelle est la pire chose que l'on t'ait dite à un casting ? C'est bien. C'est bien. Mais je voyais que c'était pas bien. C'est bien, mais vous savez qu'il y a zéro chance qu'on vous rappelle. T'as-t-on déjà confondu avec quelqu'un d'autre ? Oui, avec un voisin. C'est-à-dire que les gens me disent « Ah, mais on se connaît. » C'est sympa, je me croirais à la maternelle.